Eh bien, salut à tous, c'est Gabriel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 en PlayStation 4. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur FIFA après de longs moments que je n'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi de ma part. Alors aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur les pré-matchs de Ligue des Champions et on est parti pour deux matchs qui sont ceux qui vont être joués ce soir. Aujourd'hui, Real de Madrid affronte Bayern de Munich. Et un deuxième match en même temps, Atlético Madrid confronte Leicester City. Alors aujourd'hui, on va faire le premier match qui est Real de Madrid Bayern de Munich. Honnêtement, après que j'entends que des fois il y a des trucs de transfert, les rumeurs de transfert, par exemple Eden Hazard, Zinedine Zidane veut recruter Eden Hazard avec Cristiano Ronaldo qui menace de quitter Real. Je sens qu'il y aurait des tensions, entre joueurs. Et bon, il y a un choix un peu difficile à prendre entre Real et Bayern. Vraiment, je sais pas qui choisir entre ces deux équipes. Mais honnêtement, je sens le Real gagner. Je sens le Real gagner après quelques tensions, mais peut-être, je sais pas. Mais je sens, mais je les ai un peu crispés. Mais pour le match aller, on peut dire. Peut-être égalité ou victoire du Bayern au match aller et au match retour, peut-être une remontada du Real. Et bon, juste c'est ça mon analyse. Et on se retrouve très très vite pour le match à l'extérieur de Bayern Real. A tout de suite. Pour ce nouveau rendez-vous, on est avec Pierre à l'Allianz Arena de Munich. Stade somptueux, original, avec une forme très particulière de l'extérieur. Et nous voilà de retour pour le match, Real de Madrid, Bayern. On est parti un peu ce match. Ouais, voilà, comme l'a dit les commentateurs, c'est vrai que cette rencontre inattendue, le voilà. Duel très intéressant dans ce match avec Lewandowski. Ah ouais, genre Robert Lewandowski est encore plus jeune que Cristiano. Son équipe est très précis dans ses passes. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo est un joueur dont le jeu de tête est remarquable. Vraiment, je sens vraiment Bayern vraiment gagner le match aller. Et le retour, peut-être la remontada du Real, peut-être. Après les rumeurs de transfert de quelques joueurs de Chelsea, par exemple Eden Hazard, et avec la menace de Cristiano de quitter Real, et le conflit entre Gareth Bale et Real de Madrid, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, je me dis peut-être un conflit entre ces attaquants. Et déjà que il y a des rumeurs de transfert du genre que Sergio Aguero viendra au Real de Madrid et prendra la place de buteur à la place de Benzema. Et Benzema, si jamais il est tout le temps remplaçant, peut-être il menace aussi de quitter le club. Et là les trois attaquants, là, ils sont un peu dans un conflit, mais ouais. Déjà, menace de Cristiano, si jamais un de ces joueurs qui viendra dans le Real lui volera la vedette, il menace à quitter le club. Cristiano Gareth Bale, ça commence à devenir un conflit, si je me trompe pas. Oulala, ça commence à devenir un peu chaud. Et Benzema, peut-être qu'il quittera Real de Madrid si jamais Sergio. What? Comment ils arrivent à ces têtes? Oh! Et ce but qui a été marqué à la suite d'un corner.
faut être attentif. C'est quoi hein, cette puissance? Et déjà que Benzema peut-être confirmera ça. Peut-être, hein, si je me trompe pas, hein, qu'il quittera Real Madrid. Si jamais Serge joue à Goro, lui prendra la place de buteur. Ah bah merci la faute, monsieur. Ils font tourner à la foule de l'ouverture. But! But de Gareth Bale en quelques actions. En... Est-ce que j'ai compté les passes? Parce que. Belle conclusion en force sur la droite. Voilà. Beaucoup de sang-froid sur ce but. Deux. Ah ouais, deux passes. Carrément, carrément deux passes. Et ils égalisent donc. Ok, bah. Deux buts en exactement 5 minutes. C'est très, très, très rapide. Ouais, une, deux. À la barre. Ça va être un peu dangereux. Déjà que Ribéry est parti. Et heureusement, j'ai fait un petit blocage. Allez, peut-être une bonne occasion. Thomas Müller. Avec un tir. Oh. Ouais, ouais, bien joué, le gardien qui a capté. Voilà. Attention. Voilà. Reviens. Il redonne à Ramos. Voilà. Modric. Ok, montage tranquille. Cristiano, je l'ai vu là-bas. Ramos Rodriguez, dont on connaît la qualité de frappe, bien sûr. Hein, c'est l'un de ses points forts. J'allais partir, mais oh, il y a un apparemment, il y a. Le gars m'a poussé et m'a obligé, et a obligé Toni Kroos de pousser le ballon à peu près loin devant. Je pouvais la prendre. Lewandowski. Ah non, shot. Arturo Vidal. Ouh, en plus il y a Thomas Müller qui a de la frappe quand même. Il va me fusiller. Au corner, ça va être chaud. Concédé par la défense, finalement. Le corner là qui est concédé. Attention. Ouh, dégagement. Tranquille. Ok, j'ai cru qu'elle était partie à droite. Robben. Ok, Robben. A raté sa frappe à cause d'un petit blocage de Marcelo. Ça c'est bien ça. Voilà. Cristiano. On va jouer comme ça. Alors. Benzema. Reviens là-bas. Toni Kroos. Benzema. Voilà. Bon, j'avais pas. Je voulais trouver une solution, mais je l'avais pas trouvé. Comment ça elle est sortie? Joli, wesh, oh l'interception, oh l'interception, joli, mais je me demande qu'est-ce qu'il a fait du ballon. Pour le Real, il a mis 3. On va la touche qui est interceptée. Robben, peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, attention, oh le but qui arrive. Ah, une Robben qui a le ballon. Qui va peut-être tenter le centre. C'est un centre. Ouais, tente le centre. Oh là là. Ouais, déjà que Lewandowski, bah, il a déjà une taille de. Wow. Déjà que avec ses têtes, il est assez puissant. Sa tête, on dira du fer. D'ailleurs, sa tête, c'est du fer. Juste en un seul coup de tête, ça défonce le but. Touche pour le Bayern Munich. Ok. Philippe Lam, le ballon. Et ben voilà, le tac est dans le vent. Oh oui, excellent. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Oh mais non, c'est un Marcelo. Vous avez bien vu que Benzema, il est complètement. Il y avait Marcelo à côté. Merci pour la passe. Le bon moment pour tenter de percer. On avait une excellente action de marquer. Ramos Rodriguez était parti. Eh ben merci hein, Thomas Müller. Oh, le danger, mais ça joue. Bah carrément, Bayern a plus de ballons que moi. Honnêtement. Ah ouais, 39 de possession. Bon, il faut qu'on se réveille quand même hein. Oh. C'est Xabi Alonso qui va rentrer sur la pelouse. Donc il faut qu'on se réveille un peu là parce que terme de possession, c'est pas photo. Toni Kroos. Ils construisent, ils font tourner. Ah, ce sera une touche.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Au penalty. Coup franc, je sais pas. Le penalty, l'arbitre qui siffle le penalty. Ok, jaune de Philippe là, non ? Il a eu aucun rouge durant toute sa carrière. Ça me choque un peu parce que les défenseurs. Oh, il a pas arrêté. Ouh ! Bon. C'est vrai, son penalty au ralenti. Un gardien qui doit s'incliner sur ce penalty. Voilà. Ok, on est parti. Robben. Romise. Mathieu Nolz. Franck Ribéry. Le Bayern Munich. Je trouve que le jeu il va un peu trop rapidement. Je crois que j'ai fait une erreur au niveau des réglages. Ouais, en mettant en 4 minutes de jeu. C'est les minutes vont à tout à l'heure. Ok, récupération du ballon. Modric qui a le ballon. Qui fonce. Qui a vu Cristiano sur les côtés. Hop. Attention, Cristiano Ronaldo. Non. J'allais m'approcher. Ah ben non. Ah ben non, mais non. J'avais vu Benzema. Mais non. Mais... Bon. On le prend tranquille. Voilà. Gareth Bale. Oh, physique. Bon. Touche. Ok, joue. Ah. Ramos Rodriguez. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Grosse frappe. Mais non, Benzema. Un bon ballon, donné de la tête. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer. Grosse frappe. Oh là là. Et quand même, attention. Il peut faire le break hein, sur ce ballon. On est plutôt... Oh mais non. Modric, montre ton talent, t'en as un club, non? Douglas Costa. Thomas Müller. Voilà, on récupère. Voilà. Benzema. Allez hop. Oh. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur Philippe le but. Philippe Lam, alors. Modric. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Oh, mais c'était pour Cristiano. Mais non, wesh. C'est Douglas Costa qui est alerté sur la on récupère ça. Bon, en plus, derrière, il fait une récupération. Oh, ça, je la sens bien. Oh, ça, je la sens bien. Attention, voilà. Le 3-1. Je me disais aussi que si jamais je le mettais à droite, Neuer allait plonger dans le bon côté. Déjà que Benzema est droitier, pourquoi pas lui jouer le jeu en plongeant. Regardez, il a bien suivi l'action, il est bien allé à droite. Hein. Ouais, voilà, quand vous suivez comme ça, il est à gauche. Mais avant que je marque, il a bien suivi que j'allais partir, que j'allais marquer vers la gauche. Et du coup, bah, j'allais pas tirer à droite puisqu'il a bien suivi l'action. Et du coup, bah, pour le déstabiliser un peu, pourquoi pas marquer à gauche. Déjà qu'il est droitier. Droitier. Oh là là. Du mal à parler. David Alaba. Allez, le bon jeu. On est bien d'accord. De toute façon, ça sert à rien. Ok, récupération. À l'aise. Voilà, ça c'est bien ça. Attention, Benzema. Non, qu'est-ce que tu nous as fait? À nouveau. Ah mais non, pas d'enjeu. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. Ah ben si. Ralenti, bon, c'est pas parce que j'avais vu. Plus, hein. Mais non. Ah, tu sais c'est quoi une passe en force à car. Eh bah oui, bah oui. Modric. Allez. Pas. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Oh, ouais, mais bon. Ah, bonne intervention. Ok. Oh mais non, fiche. Lewandowski. Allez, attention, il se rapproche. Okay, regarde Lewandowski qui part, qui centre. Oh, il allait bientôt partir en tête, mais il avait pas trop de détente. Ce sera la durée des temps additionnels. Hop. Voilà, on revient derrière. Cristiano part.
Il perd le ballon. Oh non. Ah bah c'est dommage, c'est on pouvait aller plus à l'avant, mais au moins on a gagné le match aller. Un match amical bien négocié pour eux. Pour l'instant, bah, dans l'après-match, dans mes vidéos, le match est bien parti. On se retrouve tout de suite pour le match retour. A tout de suite. Allez, on est parti pour le match retour, cette fois à Santiago Bernabéu, là où bah, le Real Madrid bah, voit leurs fans vraiment déterminés. Regardez-moi cette ambiance, regardez que des Madrilènes. Du coup, on est parti bah, avec le maillot blanc d'origine. Pour nettoyer les coupes, pour un moment. Vous voyez apparaître la composition. Ouh, du Real Madrid. Le saut de Cristiano. Alors, sans surprise, oh oui. L'équipe va évoluer oui. En 4-3. Oui. Le groupe, la groupe, le groupe est à. Ah, ce ballon qui est perdu. Ah. Ouais, bien joué l'interception. Müller, le Bayern de Munich à l'attaque. Thomas Müller. Bien joué, bien joué, bien joué, ça c'est bien, mais si jamais la passe a été moins longue, ouais, là. Philippe Lam, ouais, très propre ce tacle, ce sera donc une touche. Alaba, ok, mauvaise touche de David Alaba. Je sais pas comment dire, mais est-ce un autrichien ou en allemand? Benzema. On s'approche du but. Oh bien. Bien. Voilà, 1-0. 4 buts 1 dans les deux scores. Ah ben non, je voulais faire un dub. Oh. Même si le dub, il est vendu. Cristiano Ronaldo qui marque. Ah ça, j'avais super bien vu. Ah, heureusement, il a bien écarté ses pieds. Et voilà, Neuer a à nouveau bien suivi l'action. Il a vu que je suis parti à droite. Il a bien suivi. J'ai marqué à gauche. Ça, c'est une bonne façon pour embêter le gardien. Tu vas à droite, il te suit à droite. Et toi, tu tires à gauche. Et ça, c'est super bien comme tactique. Tactique. Monsieur l'arbitre, mais voilà, comme on a vu le drapeau de verge. Mais non, qu'est-ce que tu nous as fait, bon Kroos. Oh, bien joué. Attention, bien joué. Et ce que ça fera la... Ah bah non. La map qui intervient et qui dégage. La bonne tête. Oh Benzema! Non! Benzema, tu m'as fait un bon match au match aller. Manuel Neuer. Vidal. David Alaba. Ok, bonne interception. Mmh. Ah ben bah merci la feinte, hein, c'était super sympa. Franck Ribéry. Joli tacle qui a nous qui a rebondi sur oulala, qui a rebondi sur Franck Ribéry. C'est un joli tacle en plus qu'on s'est jeté. Ça peut très bien faire un but. Ils construisent patiemment les attentes d'ouverture. Oh mais non. Vidal. Vidal. Ouais, bonne prise de merci balle, pour la passe gardien, oui. Voilà. James Rodriguez. Wesh, tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Franck Ribéry. Thiago Alcantara. Ouais, là, faut accepter que là, ça mérite un jaune. C'est donc un carton jaune. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Alors, va-t-il tirer ou passer à ses trois compagnons? Ok. Javi Martinez. Ah, cette tête ne sera raté. Pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Non, je vais pas tirer plus là-bas. Épée.
Bien. Le Real Madrid qui s'approche du but. Hop, il a trop tardé pour se retourner. Ce sera donc une touche. Cavarel. Est-ce le ballon qui traîne? David Alaba. J'ai fail. Ça m'énerve des fois de failer. Même si c'est pas français. Pas le genre de joueur qui s'y connaît. Même si c'est pas français. Mais on s'en fout. Enfin, il est quand même un grand fan de son côté gauche. Dégagement là devant. Benzema qui l'a, mais oh, j'avais des doutes. Il l'a ou pas. C'était bien vu. C'était limite l'expulsion. Oulala. Expulsion. Oh là là. Il va sans doute venir. Il va pouvoir centrer. Ah non, c'est pas bien fait ça. Attention. Voilà. Ouais, j'ai cru que c'était Cristiano. Ok, passe à Modric. On s'approche de la zone de vérité. Un duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ah non, ah, je voulais trop faire intéressant. Là, bah voilà. Arthur Vidal. Lewandowski qui peut. Non, qui pouvait passer. Oh, joli tanolade. Je sais pas si je l'ai bien dit. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. J'avais vu Ramos, mais j'ai fait une grosse erreur de me retourner. Robin. Enfin, je voulais protéger le ballon, mais j'avais pas le réflexe de cliquer L2. Ok, c'est la mi-temps. 1-0, 4-1 dans les deux scores cumulés. Allez, deuxième mi-temps. La seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. J'ai l'impression que tous les joueurs du Bayern. Non, pas tous, mais Robben, Lewandowski, Xavi, on dirait ils ont à peu près les mêmes compos. What? J'ai même pas compris cette action, mais bon. Joli. J'avais pas compris, j'avais même pas suivi. Bon. Un partout, 4 à 2. De toute façon, deux buts à rattraper. Ça part bien, action dangereuse. Non, Benzema, pourquoi t'es tombé Cristiano Ronaldo. Hors jeu, dommage. Non. Putain, moi aussi, j'ai fait le con. Fallait que je donne ça direct. Ah, je suis bête. Mathieu Meuls. Oh la récupération! Mais non! Ah, facile la récupération. What? Oh là là, c'est quoi cette récupération de bourré? Il s'avance vers la surface. Oh, comme il s'est jeté sur le ballon. Ça n'ira pas plus loin. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer. Pop. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh! Ouais, c'est bien donné ça. Idéalement placé là pour le centre. Oh, ça c'est de ça. Voilà. Ok, tête. C'est même pas ce que je voulais faire. Non! J'ai encore voulu faire l'intéressant. Ouais, défenseur qui est passé. Ils font tourner. Moi, honnêtement, je maîtrise pas trop les skills, mais moi, c'est plutôt. Moi, c'est plutôt du genre. Dribble direct, quoi. Je passe. Qu'est-ce qui se passe? Petit centre pour Benzema. Mais non. Ouais, dans le trou. Attention, Cristiano Ronaldo, ça peut être dangereux. On est venu l'aider. Ah! Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Franck Ribéry. La récupération. C'était lourd, ouais. Bien joué le tacle. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, joli. Là, j'ai fait. Là. Cristiano Ronaldo. Ok.
J'ai raté. Kingsley Coman qui rentre à la place de Franck Ribéry. Bayern 2 minutes qui est égalité sur ce match, mais ils sont en train de perdre hein, toujours. Hein. Deux buts à rattraper. Attention, il a du champ devant lui. J'ai dribblé, mais je n'ai j'ai dribblé là-bas, mais pas Kingsley. Maintenant Thomas Müller. Thiago Alcantara. Oh, j'ai cru que maman allait passer. Attention, on fait comme ça. Oh oui, Benzema. Ah, je l'ai vu. Ça peut très bien faire un but. Oh, le but peut-être. Non, mais wesh, wesh, pourquoi tu te mets devant moi, Benzema? Ramos Rodriguez, Cristiano Ronaldo, attention, il peut y aller seul, mais il a également du soutien. Le centre est bon, mais... Ah ouais, il a voulu tirer sur avec le pied. Le joueur de Real Madrid s'est repoussé par le gardien. Allez, pas davantage à son allez Neuer, joue. C'est bien vu de la part du gardien. Allons. Oh, le ballon dangereux. Benzema, oh ouais, sur la barre. Et lui qui a fait un enroulé. Là, pas de prise de risque, ballon dégagé. Ouh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû continuer. Mais wesh, qu'est-ce que tu nous as fait, Benzema? Il a vu, et en plus, il a une de ses détentes. Oh, l'occasion! Oh, le poteau! What? Une belle occasion qui s'envole et c'est que je suis pas très content. Waouh, c'est quoi ces butons gênés? Poteau, puis tu veux le ballon va chez les oiseaux. Touche pour le Real de l'arbitre. Je sais pas, des fois le Real de Madrid, ils ont des joueurs qui ont une bonne détente. Benzema, il a fait une de ses détentes, c'est parti plein de bord. Est-ce que ça allait faire. Bas rentrante, mais en fait, non. Bas. Il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Non. Le truc que j'aime bien avec le Real Madrid, c'est que les joueurs, des fois, ils ont une bonne détente. Douglas Costa. Modric. Oh là là. Carvara, il nous a fait une de ses détentes. Bas. Plein du hors du stade. Enfin, je sais pas, il est exactement. Bon. Oh oh oh, le tac qu'il m'a fait, c'était pas sympa du tout. Bon, dégage le ballon, c'est fini. Hein. Bon, c'est peine perdue pour le Bayern qui est bon. C'est vrai que on a fait un nul, mais dans les deux scores accumulés, nous avons fait 4 buts à 2. Ah ouais! Je ne demande si vous avez entendu en même temps que je parlais. Si vous avez entendu, il passe au tour suivant. On dirait FIFA 17 suit la Ligue des Champions en fait. Parce que je ne demande si vous avez entendu, ils ont dit il passe au tour suivant. Bon, je sais pas si c'est bon. Après, je sais pas hein, parce que dans le match amical. Bon, après, moi je suis, hein, qu'est-ce qu'il dit, hein, après. Bah, du coup, c'est la fin du match. Et on se retrouve au menu. Bon, les amis, c'est la fin de cette vie, de ce premier match de la Ligue des Champions, quart de finale Real de Madrid-Bayern. J'espère que ça vous aura plu. J'espère en tout cas que ça vous aura prévenu tout de suite qu'il y aura un match aujourd'hui à 20h sur n'importe quel. Chaîne de sport, enfin quelques trucs ne montrent pas. Bon, je vous conseille au moins Beansport ou YouTube qui met parfois les matchs en direct et d'autres serveurs comme ça où vous pouvez voir le match. En tout cas, moi, soit Beansport ou soit Beansport, soit YouTube, hein, je sais pas où partir. Bah, en tout cas, j'attends impatiemment ce match qui est attendu quand même. Likez cette vidéo si ça vous aura plu. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le match aussi Atlético Madrid-Leicester
que je peux faire ça tout de suite, mais il faut liker cette vidéo et faut que... Bon, de toute façon, je vais la faire cette vidéo, vous inquiétez pas. Bon, allez, portez-vous bien. Tchuss.